Salut, mercredi, nouveau vlog dans le décor de mon tournage d'hier, candidate de télé-réalité que j'ai laissé en plan. En parlant de ça, comme c'est une vidéo, on est d'accord, que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc au moment où vous me voyez, je l'ai pas mise en ligne, je la mets à 18h, de voir ma réaction en direct quand elle sera mise au niveau des commentaires et tout, parce que franchement, ça passe ou ça casse. J'avais commencé, c'était il y a 2 jours, j'avais fait l'écriture, j'avais structuré, j'avais... Et puis, je sais pas, j'ai allumé les caméras et je suis partie dans une impro. J'ai dérushé et je me suis dit, bon, j'ai hésité, hein, j'ai dit, je la mets pas. Et puis j'ai dit, allez, tu la mets. Petit point sur ma lèvre, eh bien c'est mieux. C'est mieux, même si c'est pas encore ça, j'ai appelé le médecin, qui a été très sympa. Il m'a dit, bon, on peut regarder ça, quand est-ce que vous êtes dispo? C'est pas obligé que ce soit pressé, parce qu'il m'a dit, venez vite si jamais vous, esthétiquement, ça vous déplaît. Mais franchement, ça passe. Quand j'ai fait une story hier, donc, avec ça, vous m'avez dit, mais t'as fait tes extensions. Donc non, hein, c'est ça, vous savez, c'est l'élastique. Ça fait le job, mais alors, de dos, c'est pas top. Et autre chose, oui, très 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 important concernant ça. Je les ai pas utilisés depuis 2-3 mois, puisque j'avais eu une forte migraine, rappelez-vous, au niveau de mes yeux. Et ce matin, bah, je vous le donne en mille. Tout le côté droit, encore. Je suis dégoûtée parce que j'étais contente. Je me suis dit, le rendu est quand même mieux. Il est vachement mieux quand je mets les... C'est plus net, c'est plus vivant, c'est plus lumineux. Quand tu mets les projos, mais voilà, dès le lendemain matin, je me tape une migraine juste de côté droit. C'est saoulant. Donc j'imagine que c'est ça. Parce que la dernière fois, ça me l'avait fait, rappelez-vous. J'avais fait un make-up qui avait duré longtemps, donc avec les projos dans la tronche, et ça m'avait déclenché. Donc. Je vais voir, faudrait que je fasse d'autres tests pour être vraiment certaine, mais j'ai bien l'impression que ce soit ça. Je parle beaucoup, mais il faudrait peut-être que j'aille manger. Par contre, cet après-midi, je remets, hein, parce que qu'est-ce que c'est vide, j'aime pas du tout. Vous allez très certainement vous dire, mais elle arrête pas de manger de la soupe, la petite. Mais ouais, mais en ce moment, j'ai envie de ça. Je mettrai 2 petites feuilles comme ça, les mentales, il m'en reste pas des masses, j'ai oublié d'en prendre. Et puis, bah, des croutons, et je verrai si j'ai encore faim, je me ferai un autre petit truc. Tu valides, mon Jackie? Il a perdu, voilà, 3 balles depuis 3 jours. 1 balle par jour qui me perd, les balles de ping-pong. Bravo, tu me les retrouves, hein. Je n'en redonne pas une 4e. C'est vrai que c'est lourd la soupe, hein. Ça reste là, j'ai rien pris d'autre du coup. Par contre, bah là, je vais ranger, lave-vaisselle. Je voulais me prendre un cachet, comme je dis, pour ma migraine, mais je n'en ai plus. Donc, bah... Je vais aller à la pharmacie le plus vite possible. Il est 14h moins 10, donc bah, j'attends que ça ouvre. On a retrouvé la baballe. Une des baballes à Jackie. Attention, elle est là. Hop. Hop. Maman l'a fait n'importe quoi. Elle a très mal jeté. Attention. Wow. Voilà, pendant que maman fait le ménage, Jackie s'éclate partout. J'aurais mis plus de temps prévu à décoller. Ma vidéo avait un petit problème. D'ailleurs, en rentrant, il faut que je finalise ma miniature. Ça va, une petite, enfin une courte la vidéo. Et mais là, j'ai mal au crâne. J'espère que ça va me soulager le paracétamol. Je vais m'en prendre un tout de suite. Ça va me faire du bien, j'espère. J'ai pris mon cachet, ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas totalement ça. On s'apprête à faire quoi, votre avis? 17h06, le bruit du tnuc, ça goûte. Hein? Les gens vont penser que tu fais que bouffer. Tu peux qu'il y a pas, t'as besoin de manger un truc. Bah, je fais que bouffer. Sans transition, justement, ça tombe très bien. Il fallait que je vous parle de ça. Je vais quand même goûter, et après, je me pose et je vous parle. Je vous mets ici. Allez-vous bien me voir, j'ai l'impression. J'ai goûté hein, ma petite banane et le yaourt. C'était concernant le post que je voulais vous voir hier Instagram, là où je suis en maillot de bain. Parce qu'il y a eu énormément de commentaires et vous avez été beaucoup à me dire « Vas-y Banco, on le fait ensemble. » Et je me suis dit « Mais carrément, ça pourrait être super sympa. » Moi, je ne suis pas prête tout de suite là. Il faut quand même être prêt dans sa tête. D'ici quelques jours, quelques semaines, je vais l'être. Parce que j'ai décidé, je veux le faire. Mais c'est vrai que même si vous décidez de le faire et qu'on le fasse ensemble, c'est pas grave si vous le faites pas le même jour, s'il y a un décalage, vous décalerez à la fin. Et encore une fois, ne vous mettez pas dans la tête, si vous le faites, que « Oh mon Dieu, ça va être un truc hyper chiant, ça va être trop déprivation », mais pas du tout. En fait, je retire que le
mauvais sucre. Je prends tous les matins mon jus de carotte, c'est hyper sucré. Des pruneaux, des bananes, des pommes. Alors on est d'accord, c'est pas le chocolat qu'on aime tous, ou ni les sucreries, les gâteaux. Mais c'est jouable, c'est les deux premières semaines qui sont les plus dures. Après, c'est easy. Après, même tout vous semblera beaucoup trop sucré. Installe-toi une bonne fois pour toutes. Évidemment, à côté, bah, tu manges correctement, t'évites de faire genre des frites tout le temps, des trucs comme ça. Même, quoique, moi je mangeais encore correctement, sans faire de sport. Mais oui, mais quand j'y pense, je ne faisais même pas de sport. Mais ça, c'est pas bien, je vais essayer d'en faire, parce que c'est quand même mieux si tu fais du sport. Et voilà, ça peut être cool qu'on se fasse ça ensemble. Je suis désolée, mais il est l'heure qui mange, je vais lui donner. Enfin voilà, vous savez tout. Et dans 40 minutes, la vidéo sort. La fille qui est pas à l'aise. Mais ouais, mais c'est ça, dès l'instant que tu sors de ta zone de confort et que tu prends des risques, bah, t'es moins à l'aise. Et vous savez quoi? Bah voilà. J'ai même pas rangé encore. Je le fais maintenant. Je vous montre avant. Et j'espère pouvoir vous montrer après nickel. C'est quand même mieux, puis ça m'a pas pris beaucoup de temps. Bon, le truc, c'est que j'ai tout déplacé dans le bureau. Donc maintenant, il faut que je m'occupe de mon bureau. Hop, il y en a là. Et il y en a un petit peu ici, un petit peu beaucoup là-bas. Alors, le petit point, bah déjà, je me suis mise à l'aise, j'ai retrouvé Serge, j'ai rangé et cette pièce, et en bas, et ici. C'est quand même mieux. Ici, bah, j'ai remis ça. Là, vous verrez pas, il n'y a pas de lumière, mais bah, j'ai tout bien quand même déblayé, rangé. Et là, j'attends encore 10 minutes pour que ça fasse une heure entre le moment où j'ai mis la vidéo et où on va débriefer ensemble pour que je vois un peu la température, les commentaires, les dislikes, voir quelles ont été vos impressions. Je trouve que c'est sympa de faire ça ensemble. Je me fais peut-être démolir, mais on verra ça. Alors, ça va faire... Quelle heure est-il ? Ah non, 18h52. Je reprends dans 8 minutes. Me revoilà. Alors, parce qu'il est... Dans une minute, c'est bon. J'ai pris le portable d'Eric, forcément, parce que je filme avec le mien. Le temps que je mette son code. Et on sera bon. Il est compliqué, son code. Et là, on est tout pile à 19h. Quels sont les retours? Ça se trouve, je m'en prends plein la tête. Alors, déjà, ma chaîne existe toujours, on ne sait jamais. 19h, je suis à 537 vues, ce qui est un petit peu moins que mes vlogs au bout d'une heure. Ouais, un petit peu moins, c'est vrai, mais ça va. Par contre, 19 dislikes, donc 19 pouces en bas, ce qui est beaucoup par rapport à d'habitude. 82 pouces en haut, je ne m'en rends pas compte. Parce que c'est un peu moins, mais bon, ça veut rien dire. Comme c'est un sujet complètement différent, parfois les gens ils voient juste le titre candidat de télé-réalité et j'aime pas, donc bam. Alors, commentaire 22. Bérangère, le top ta vidéo, j'ai bien rigolé, tu devrais en faire plus des comme ça. Bah ça dépendra. Hello, les pensées d'Hello la Betty. Super et bravo d'être sortie de ta zone de confort, carrément. Douce Marie, c'est bien joué, c'est dommage que ce soit si court. Carole, oh je suis morte de rire, oh là là, j'ai adoré, tu devrais en faire plus souvent, décidément. Super, Jocelyne, j'ai adoré, chouette vidéo. Stéphanie, coucou, c'est tellement, mais tellement ça. J'ai largement passé la quarantaine et je ne comprends pas l'intérêt porté à ces personnes, j'ai adoré sa vidéo. Je regarde certaines émissions, je ne cache pas de... voilà. Nathalie Barin, coucou, tu le fais très bien, j'ai bien aimé, super. Ça se trouve, je vais tomber sur un truc horrible, mais je le lis pareil. Tatieva artiste, la bécasse dans toute sa splendeur, excellent. Nadia, coucou, trop drôle, mais tu as cerné le personnage de la vraie gourde de télé-réalité. Cathy Nico, excellent, excellent, mais c'est bien fait au montage, tu as dû bien rire, bravo l'artiste. Alors j'étais plutôt en mode est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas. Pas nul, pas là, excellent, j'ai bien rigolé. Fabienne Durillon, des smileys. Kim Vanille, smiley, excellent smiley. Bishira Chouchita, j'adore. Cool. Daniel Brochen, excellent. David, des smileys. Vous allez dire que je lis vraiment tout. J'ai pas de... Barbara, salut Caro, trop trop bien. Tu es super candidate de TRT et je me suis bien marrée. Tu peux nous en refaire. C'était un très bon moment. Ticia, des extra, tu m'as... Fait rire, merci, merci, j'en avais bien besoin. Tu devrais te lancer dans la comédie. Evelyne,
Bonsoir, génial, j'adore encore. Peace. Bernadette, des smileys. Chaîne YouTube, des smileys. Emmanuel, excellent. Voilà, bon, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Après, comme je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Je pense que c'est dû... Et puis non, c'est peut-être dû à ma vidéo qui plaît pas. Hein. Faut aussi... je peux comprendre complètement, complètement. J'ai bien aimé ce côté débrief ensemble. Quand tu fais une vidéo qui change, parce que sur un vlog tradi, bon... Si, ça peut être sympa aussi pour échanger entre nous. Ça, c'est une idée. Que je réponde à vos questions sous certains vlogs, parfois. En direct, en vous citant. Ça peut être bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? 19h04, et j'ai pas faim. Bah non, j'ai mangé la petite banane et tout, et pour le coup, la banane, ça cale bien. Je vais attendre, je vais pas me forcer hein, si j'ai pas faim. J'adore, j'adore quand il joue avec sa petite banane. Vous aurez pas vu beaucoup Eric? Il était pas là, il était dépanné des amis cet après-midi. Et bah, s'il est rentré pour déjeuner, on a goûté ensemble et tout. Bébé, ça. Surtout que ce matin, on était ensemble parce qu'il bossait pas. Et ce soir, bah là, il est encore en mission devant son ordi avec des potes, très certainement. Peut-être qu'il vous fera un petit coucou tout à l'heure. Et moi, je vous reprends un peu plus tard. Mais tu sais pas te... Je vais aller le ranger. Fais-moi confiance. Bah... Je n'y touche plus. Mais là, je regardais un truc. Tu es drogué. Faut absolument pas. Bah, tu es drogué. Je te préviens que le truc au sucre, on le fait tous les deux l'arrêt. Là. Je me suis blessé, regarde, je saigne. Bah, ah non, c'est du chocolat. Vous l'aurez deviné, je vais me faire ma salade, parce que j'aime tellement. J'ai fait trois petits œufs, là. Il y en a un que je prendrai pour demain. Les saucisses, je vais les faire chauffer. Puis, j'ai coupé des petits bouts de pommes. Chérie, tu l'as mangé en entier, ta crème? Mais je te pose la question, fais pas le... Non. Je l'ai posé là, exactement ici. Et alors, elle est où? Et ben voilà, je te pose la question. Elle est là. Voilà ma petite assiette. Des fois, ils se demandent pourquoi on mange pas ensemble. Pourquoi on n'a pas mangé ensemble ce soir? Parce que moi, j'avais pas faim au moment où toi, t'avais faim. Tout simplement. C'est ça, hein? Ce soir. Indique-leur, peut-être. Je sais pas, quelle heure est-il? 20h51. J'avoue, je mange trop tard. C'est vrai. Je vais me continuer ma série. Et finalement, j'aime bien. Plus ça avance, plus je me fais au rythme. Et vous savez quoi? Je vais en profiter. Je me mets là. C'est là. Il y a un petit peu de lumière. Je fais gaffe parce qu'il va... Que Jack il n'avait pas dans mon assiette. Je vous retrouve demain pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Très certainement un nouveau vlog. Salut!